Ah, Roger, ah ja, klingt interessant, ja, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ich habe gesehen, du hast auch 2 Meter, bist du auch SSD? Könnte man auch mal testen, ob das zwischen uns klappt. Das ist dann allerdings nicht meine Vorrichtung von Mecklenburg. Da bin ich mir nicht sicher, ob das. Ich bin jetzt im Siegerland, Wilnsdorf kennst du, und habe natürlich eine Zuckerrichtung Richtung Westen, aber du bist ja eher, weiß ich nicht, Lügen, irgendwo Südost, ne, wahrscheinlich nicht Süden. Das könnte gerade noch gehen, aber naja, wenn du Lust hast, könnte man auch mal 2 Meter testen. Ja, ich fahre wieder auf.
Sur beaucoup de sujets, les Chinois et les Français en fait sont beaucoup plus proches que beaucoup de gens ne le pensent. J'étais intéressée de savoir comment vous gérez les différences entre les pays. Vous êtes un Français, vous venez et grandissez en France, et maintenant vous vivez en Chine, il y a tellement les choses que vous ne comprenez pas, comme tout à l'heure vous avez dit quand on parle des formalités ou les administrations pour gérer les entreprises, comme ça, comment vous essayez de comprendre les choses en Chine. Si vous avez une différence entre votre esprit et la réalité en Chine. Oui, alors c'est vrai, bon, moi je suis en Chine, en lien avec la Chine depuis 18 ans, depuis 2009. Mmh. Je commençais le chinois en 2004. Donc c'est vrai que je n'ai pas de problème de communication. Je parle chinois sans aucune difficulté. Donc pour moi, c'est vrai que中国之声接下来的《中方资讯》。